Cérémonie sobre pour des personnalités sobres lors de cette Coupe du Monde de Taekwondo. L'entrée de la police nationale, le défilé des délégations et la première équipe ivoirienne de Taekwondo, qui date des années 70 avec Maître Siaka Koulibaly, Gada Frédéric, Karim Akande, Théo Dossou, Pama Emmanuel et Kone Souleymane, a annoncé les couleurs de la cérémonie d'ouverture. Les discours de bienvenue du président Bombachek Daniel et du ministre des Sports Alain Lobognon sont suivis de danses traditionnelles symbolisant les différentes cultures ivoiriennes. Le groupe ivoiro-coréen n'est pas passé inaperçu. La cerise sur le gâteau arrive avec la démonstration de l'équipe Kukiwon de la Corée. Maître Siaka Koulibaly, ceinture noire, 8e dan, n'a pas dérogé à la règle. Superbement vêtu en dobok, le Comité national de soutien aux éléphants taekwondoïnes a également joué sa partition. Cette cérémonie a été ponctuée par la distinction au rang d'officier dans l'Ordre national du mérite du président de la Fédération mondiale de taekwondo Shugwon Shu et feu maître Arsène Zirignon. La suite du programme, ne décrochez surtout pas, ce sont les combats par équipe qui, à coup sûr, seront riches en techniques.